Hop, c'est tout le monde 50 heures, toujours avec Les. Bonsoir. Sur Darksiders. Et on continue. Allez. Nouvelle c'est dingue, j'arrive à en faire toujours un peu dégueulasse de Yellow, bonsoir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Tiens, je vais me rapprocher du micro peut-être. Non, t'en gauche, c'est bien comme ça. Non, il est bien. Ouais. Ok. Tu as cette chance d'avoir une tonne de voix. Oula. Bah, surtout de pouvoir gueuler chez moi. Ouais. Ah, ah. On a rien vu. Notre vie est un putain d'échec. Alors, attends, je crois qu'on a oublié une pièce. Comment? Non, moi, je l'ai pas eu. Je crois que je suis tombé dessus, moi. Vas-y. Moi, je suis tombé dessus. Notre vie est un putain d'échec, quoi. Voilà. Les couillons, quoi. Bon, c'est joli ici. Ouais. Franchement, c'est beau. En plus, moi, il tourne en ultra sans ralentissement. C'est. Bah, bon, pareil. Après, voilà. Bah, tu sais, y'a vu, c'est méga rentrissement dans la zone du château là. Ouais. T'as failli tomber encore? Non. Alors, attends, tu vas encore me lancer une cinématique sans chaud là. Une porte aussi prétentieuse va forcément nous mener à notre. On a bien fait d'entrer discrètement. Nous n'avons pas été. Discrètement. C'était une approche stratégique et discret en tuant tout le monde. Bon, c'est vrai que la voix française de guerre est pas géante. Ouais. Pas accepter son offre. Seigneur, là j'ai essayé. Hey, tu nous as pas entendu frapper? Discrétion. Cavalier, que me vaut le plaisir d'une visite des fidèles serviteurs du Conseil? Le Conseil croit que tu conspires avec Lucifer pour anéantir l'humanité, pour renverser l'équilibre. Le contestes-tu? Cavalier, une vilenie aussi basse serait indigne de moi. J'avoue être intrigué par votre accusation, mais malheureusement, je suis légèrement pris d'assaut à l'instant. Par Moloch, comment t'as fait pour laisser un minable comme lui prendre l'ascendant sur toi? Enfin, dis ça. C'est une excellente question. Peut-être oserais-je deviner la réponse. Je t'ai dit que ce jour viendrait, Sama. Moi, Moloch, je suis venu réclamer ta tête et ton royaume. Partez, allez trouver mon associé dans le néant. Nous continuerons notre discussion lorsque j'aurai enfoncé mon épée dans le crâne de Moloch. Mais du coup, on est tout petit ou? Oh, je sais pas, je pense que par rapport à eux, on n'est pas bien grand. Hein. Alors, je pense bien, en tout cas, que c'est ce qui se passe avant le 1. Parce oui, que c'est ça. C'est une préquelle. Ouais, mais c'est vraiment, je pense, ce qui se passe. Enfin, qui explique pourquoi War est considéré comme un. Oui, oui. Nous envoyer ici comme un... pour une raison. Ah, c'est. Tu le sais, c'est ça. C'est une préquelle, en fait, donc du coup, je pense ouais. Que oui. Ouais, je pense aussi. Bah, ça a l'air, en tout cas. J'ai eu pas après, il me semble que c'est une préquelle 1000 ans avant. Donc, Ah, c'est beaucoup. Ouais, il me semble que c'est très très longtemps avant. Après, c'est possible que, genre, War, il ait dormi pendant 1000 ans après. Hein. Parce que j'ai compris... Ah, genre, non, mec, je peux pas. Je savais, quoi. Je regarde faire pour voir si c'est possible avant. Si je tombe, c'est pas possible, voilà. Voilà. YOLO hein. Ça se tentait pas avec un Eric là? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? La médiation. Ça m'intrigue du coup de ce qu'on n'a pas visité en haut. Non, je vais risquer là. Tu vas avoir besoin de moi pour ça. Ah. Non, tu peux même pas monter. Pourquoi? Trop. Ah, on peut pas monter? Trop. Je pense qu'il va nous falloir... Attends, on peut pas juste passer comme ça. Non, il va falloir avancer dans le machin pour que ça nous ouvre ici. Ah. Bah alors. Écoute, c'est pas si facile que ça. Hein. Moi j'ai pas un perso fin et agile, hein. Moi je veux voir. Hein. Là, regarde l'épée, vu comment elle est grande dans mon dos, ça fait juste la taille d'un de mes bras. Ouais, elle est aussi grande que toi l'épée, ça va. Ouais, bah quoi. Par là? Je fais des essais, mais... Ouais, je vois, hein, je... C'est pas grave, je peux grimper le décor. Ah. Ah, ça va nous ouvrir la voie, ça, je le sens. Ah, attends. Oh! Lame Vorpal. Oh. Alors attends, peut être chargé et lancé sur plusieurs cibles, notamment. Chaque cavalier
Qui peut en suivre. Ok. Ok, donc c'est pour les énigmes. Donc on l'a tous les deux, j'imagine. Je pense. Équipe ah, attends. Appel, appuie longuement sur contrôle, puis avec la calogue. Non, c'est toi qui l'as. Et que moi, attends. Moi, je l'ai pas en tout cas. Ah ouais, ça m'a l'air d'être moi. Ouais, c'est toi. Ouais. Donc toi, tu vas pouvoir viser les cristaux. Alors, attends. Ah, j'ai un menu radial de l'équipement. Ah, et je peux enlever mon crochet. Bah super, parce qu'à un moment, il va me servir à rien. Et du coup, comment je l'utilise? Je te juge. Voilà, je t'ai jugé. Mais il savait qu'il en aurait besoin. Mais dis donc. Attends. Je vais réussir à avoir l'angle. C'est bon? Tout ça va faire une démonstration. Alors attends, et là, je crois que sur le cristal ici. Ouais, c'est ça. C'est bon du premier coup. mais on peut aussi le faire en bas du coup. Ouais, du coup ouais. Attends, ouais mais là il y a rien. Ah si. Et qu'est-ce qu'on fait? On pourrait presque croire que tu es jaloux. On va d'abord par là. Bon du coup, ah je sais pas, j'hésite. Merde, ça c'est je pense c'est. Attends. Ah. Pousse-toi. Non. Mais j'ai dû fermer mon menu moi. En plus, la triche. Alors attends, je le refais. Ok. Ouais mais là... Là on est baisé. Je vais pas les allumer. Je vais essayer de rallumer ça. Attends, c'est quoi l'astuce qu'il me donne? C'est LT pour verrouiller. Ah, c'est pas celui-là. Si, LT c'est lui. Bah en fait c'est la touche avec laquelle tu vises avec ton truc là, ta lame. Je pense que tu vas pouvoir cibler les deux là. Ah mais il y en a deux là-bas. Il y a les deux, non les flambeaux là. Ah, oh, c'est peut-être ça. Tu dois pouvoir cibler le bras zéro puis les flambeaux. Alors ouais, mais comment? Bah en fait, je pense que tu viens d'abord le flambeau là, après le bras zéro. Ah, attends, c'est bon, j'ai compris. Ok, ok, c'est pas très intuitif en fait. Je me doute. En fait, je dois viser, utiliser ma touche de dash, ok, et appuyer comme ça. Nice. Très bien. J'espère qu'on pourra revisiter les zones parce que... Ouais, bah je pense. Après, à mon avis, ça c'est un secret pour débloquer un coffre. Hein. Je suis pas sûr. Ah, votre allié est hors de portée. Ah, un passage vers l'antre des serpents. J'aurais dû m'en douter. Ce truc te dit quelque chose? Sinon, on peut essayer de retourner en arrière là. Ça doit être l'associé dont parlait Samael, ce qui explique certaines choses. Est-il digne de confiance? Absolument pas. D'aucune manière. Cela dit, je vois aucun autre moyen de sortir d'ici. Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors, est-ce qu'on a le droit de pas sauter dedans? Vraiment pas le choix. On pourrait aussi attendre ici. Pour toute l'éternité. Après toi. Ouais. Nope. Oh, comment on s'est barré? Très bonne idée. Alors. Ah! Merde! T'as appuyé sur un truc genre oui? Oui. Mais je pensais que ça ne nous était plus comme ça. On est où là maintenant? Est-ce qu'on peut pas retourner? Attends, on peut y retourner, je pense. Mais. Alors. Tiens, on a oublié la porte du mystificateur. Est-ce qu'on y retourne vite? Non. Ouais, bah je pense. Enfin, y a pas moyen d'y retourner juste. Ah, attends, y a changé la difficulté aussi. Ah, on pourrait peut-être l'augmenter. Ouais. Alors, j'ai peur qu'on recommence tout du début. T'as pu choisir un chapitre ou pas du tout? Non, c'est marqué au début. Ah merde. Bon, bah dommage. Dans sa chanson, on le passe. Hop. Tu l'as vu ce truc en rouge ou pas? Non. Du coup, le reste de Samael est attaqué. Le conseil aurait pu titubé. On s'en passe. Bah, ok, on l'envoie ici. Ouais, bon, bah non. Limite, les amis, je vous passe ça le temps qu'on trouve. Hop, je remets vidéo. Bah, du coup, on fait voir tout le niveau en retournant tous les coffres. On va rater ça la dernière fois. On va rater ça. Et vite, t'es mort! Je les trouve très peu respectueux quand même. Ah. Donc, et quoi ça sert de finir cette quête? À rien, je crois. Peut-être à la fin, on aurait plus de récompense. Ouais, qui sait. Ouais, il y a encore des enculés qui arrivent. Ouais, il y a un qui fait. Exécution. T'as un gilet jaune, toi, hein. Tu devasses les mecs qui foutent rien.
Tu vas me tabasser. Ah ouais, carrément. Ouais. Tu vas me tabasser, ouais. C'est que t'as l'avenir dans certains métiers. T'as rien à foutre. Alors j'aurais dit CRS, surtout. Ah, j'ai tout vu. Tu me dis, ouais, je vais foutre les ailes après. Que, ouais. Ouais, bah que dalle. Alors. Du coup, après, le reste, c'est en bas. Je pense qu'il faut descendre là. Mais du coup, on envoie de chasse au coffre. Donc là, il y a trois trucs. Hop. Il y a ça au-dessus, ouais. Là, j'ai un coffre déjà. Ok, donc il y en a qui sont pas trop bas. Ok, alors. On est où ? Il va y en avoir un là-dessous. Ah, j'en vois un. Vas-y. Ah, j'ai un coffre aussi. Mais c'est un qu'on avait déjà ouvert de mon côté. Il y a une icône qui m'intrigue sur la carte. Ah, c'est conversation. Ok, d'accord. Hop là. Donc, lui, c'est bon. Ensuite. C'est bon, en fait, on a plus que la conversation à faire. Et bah, allez. On l'avait déjà fait tout à l'heure. Donc je repasse ça. Comment j'ai utilisé ? Je pense que tu cibles le connard là. Oui. Mais attends, faut que je me rappelle parce que c'est vraiment pas intuitif. Ok. Ouais. Alors. Ok. Deux clés. On a pas de clé ? On en a une, non ? Non ? Non ? Ah si, j'en ai une à un moment. Merde. Ah, attends. Y'a pas un truc avec l'énigme à faire pour avoir la deuxième clé ? Je pense pas. Ça me paraît très bizarre qu'il faille aller ailleurs. Hein. Bah attends, qu'est-ce qu'il faut ? Coffre épique, porte du mystificateur. Parce que la clé mystificateur en a une. C'est quoi l'icône ? C'est une. Bah je sais pas. Parce qu'on a la porte, mais il faut deux clés. On se serait fait baiser, tu veux dire ? C'est pas juste quand c'est foutu côte à côte ? C'est pas foutu, hein ? Ah attends, non, il y a encore un coffre d'équipement qu'on n'a pas pris à cet étage. Ah, ça se trouve, c'est la clé. À moins que le coffre d'équipement soit... Non, ça m'étonnerait. Est-ce que c'est pas juste qu'on s'est pas foutu côte à côte devant la porte ? Non, on a été côte à côte, hein, au moins, quand même. On va voir déjà si c'est pas cette histoire de coffre d'équipement. Il est où ton coffre ? Je sais pas. Non, mais c'est peut-être là où on va en fait. C'est peut-être celui qu'on a déjà pris. Je pense. On va voir. Ouais, si, c'était déjà lui. Bon, bah, on va essayer en se refoutant côte à côte. Hein. Je pourrais essayer, on va pas. Y'a pas un endroit où on peut voir son avant. Voilà pourquoi nous sommes ici. C'est vexant. Y'a pas un endroit où on peut voir son inventaire ? Ouais. Là, quand tu fais la carte, c'est écrit 1 sur 1 sur la clé. Ah, donc on peut peut-être en avoir qu'une seule ici. Ouais, peut-être que c'est plus tard. Hein. Ouais. Vas-y. Ça reste vexant. Réouvre la porte. Okay, bah, d'abord, on va voir, non ? Tu vas aller voir ? Ouais, bah, dans le loot, on sait jamais. Je pense pas que ce soit ça, mais bon. Non. Ah non, en effet, on est côte à côte, mais ça marche pas. Dommage. Bon bah voilà. Tristesse et damnation. Ce fut une belle porte. Bon bah au moins la prochaine fois on pourra rush, on sait qu'on a tout pris. Putain. Alors. Ah, le bras de merde. Victoire a fini de frimer. L'associé de Samael attend quelque part dans l'immensité infinie. Attends, faut que je change d'équipement moi. Je pourrais presque croire que tu es jaloux. Ok. Arrête. Et donc. C'est maîtrisé.
Ok, alors ça peut pas de bêtises avec. Enfin, on rentre quoi. Dis. Attends. Ah oui, mais ça voulait pas parce que. J'avais encore mon joystick droit qui faisait. Ok. Chapitre 1 terminé. Et bah, let's go. Hein. Viens au milieu. Donc, appuyer. Voilà. Donc. Et bah, voilà, c'était un petit tour pour le plaisir. Hein. Bon, on est où là maintenant? J'attendais Samael. Mais. Des cavaliers, hein? Ça doit être là. Attends, c'est peut-être le mec pour vendre, parce qu'on a pour acheter. Là où il y a une porte du mystificateur. Sur la carte. Ça serait vexant que. Enfin, peut-être que cette fois il y a besoin de qu'une s'appeler. Hein. Je suis ici. Alors lui, normalement, c'est le vendeur. Attends, j'arrive. Si je me rappelle bien, c'est le vendeur, actuellement. Ulgrim, c'est ça? Le dévoreur d'âmes? Discord. Comme moi, ta réputation te précède. M'as-tu apporté quelques... Surveille ta langue, vermine, si tu ne veux pas que je te la tranche. Oh, ah, quand même. Mais je pense que... Je suis un peu vindicatif. Non. Que seriez-vous venu faire ici, sinon? Nous avons été envoyés ici par Samael. Peut-être est-ce pour qu'on lui rapporte ta tête. Prends garde, cavalier. Fais preuve de justesse, et je saurai être utile. Mais d'abord... Alors, je me trompais, c'est pas le vendeur, mais j'avais souvenir qu'il lui ressemblait à ça. Le conseil ne négocie pas avec les démons. Si tu le défies, tu en paieras le prix. Le conseil n'a aucun pouvoir ici. Ah ! Ce royaume est le mien, et il est donc soumis à mes règles. Me tuer serait une erreur tragique, car vous seriez prisonnier du néant pour l'éternité. Maintenant, ai-je votre attention ? La patience n'est pas le point fort de mon frère. Le mien non plus, d'ailleurs. Alors parle. Les seigneurs de l'enfer sont toujours en guerre. Ils veulent le pouvoir, le contrôle. Ah, donc c'est Lucifer qu'on y a rencontré, Lucifer en vrai. Lucifer et Samael, plus que quiconque. Non, c'est Samael qu'on a rencontré. Ouais, mais c'est Lucifer qui nous envoie rencontrer, j'imagine. Quelque chose. Bah, je pense qu'on chasse Lucifer. Il tend maintenant la main à ses ennemis. Et Moloch en fait partie. Ah, rien dans ce monde n'est gratuit. Si vous voulez, du coup, ce serait genre Moloch est avec Lucifer. Un précieux artefact m'a été volé. J'ai sollicité l'aide de... C'est ça les informations que tu nous donnes? Aller chercher un artefact? Qu'est-ce qu'il a de si important? C'est... Pour l'instant, je préférerais encore te tuer que t'aider. Quoi qu'on dise le conseil. Cela ne serait bénéfique à aucun de nous. Ça en voudra... Oh, ta parole. Pourquoi tu l'as pas dit? Oh, on va s'en occuper, alors. C'est une plaisanterie, j'espère. Regarde où on est, Guerre. Si t'as une meilleure idée, je prends. Je vais vous ouvrir l'antre des serpents pour ce voyage. Méfiez-vous de toi. Le gardien de mon artefact ne sera sûrement pas enchanté de vous voir. Ah ouais. Ou alors, ça se trouve, dans celui-là, c'est pas le même monstre qui fonctionne. C'est un peu l'idée. À ce propos, je pense que ceci sera susceptible de vous intéresser. Je les acquiers de temps à autre. Ah si. Cœur de créature débloqué. Ok. Peut-être lui parler. Ouais. Je suis mais bon, on prend, ouais. As-tu quelque chose à me fournir? Ah mais il en vend plein. Ah ouais. Bon, déjà, on en a deux. Ouais. De chacun en plus. Donc là, on peut acheter des éclats de gemmes, de courroux et de santé. Ok. Amélioration. Alors, t'as... Santé. Ah, et on peut en acheter. Attends. Toi aussi, tu peux builder un peu comme tu veux les. Tout bordel là. C'est-à-dire? Genre, tu peux te promener dans les pages sans que ça bouge. Oui, non, ouais. Moi, y'a pas de soucis. Bah, je suis en train de bouger, moi. Ah, ils font des munitions. Régène de santé passive. Oh. Tonnerre. Ok. Est-ce qu'on n'a pas le fréquent commun aussi? Mais essaye d'acheter un truc. Alors j'ai peur d'utiliser les machins verts. Non, je pense que c'est fait pour être utilisé. Hein. Ok. Ce n'est que de l'argent. T'en es où là? Du fric? Ça a pas bougé moi. 10 357 et 19.
Ah bah vas-y, bah bon, dans ce cas, prends tonnerre, c'est ta compétence. De quoi? Ils vont une compétence pour toi. Ah cool. Béton ah génique. Oui, j'ai même pas regardé. Ok. Et bah c'est pas mal. Tant de merveilleuses choses contre si peu d'âmes. Tant d'âmes, si peu de marchandises. Ah, c'est une amélioration, c'est pas une compétence, ok. Après les éclairs, j'aimerais savoir comment on est sur. Faites attention à vous. Donc là, si je fais tab. J'achète une clé. Ah mais en fait, non regarde, tu peux en racheter une de clé. Achète-la. En fait, après ça te bloque. Donc je pense qu'on est censé les acheter. Bien des choses. Bien des choses. J'ai entendu dire que vous allez bien vous amuser. Les pièces sont disséminées partout. Ouvrez l'œil. D'accord, ok. Sympathique. Je suis pas convaincu, moi, attends. Est-ce que je vois beaucoup de différence avec l'autre? Ouais, si. Ok. Alors c'est par où cette... Bon, bah, alors si on va au-dessus, il y a une porte mystique. Bah on va y aller. Oula, j'ai glissé. Alors non. Ça marche pas. Bah, j'ai pas l'interaction. C'est bizarre. Ça se voit pas. On a peut-être mal fait un truc. Si on lui reparle. Non. Ah, les cavaliers sont de retour. Tuez-en autant que vous pourrez. Cela profite à chacun de nous. C'est bizarre qu'on n'ait pas. On est peut-être pas resté. Mais une grosse pierre d'invocation. Boutique du Vulgrim. Pierre d'invocation. D'accord. Là, il y a un gros machin bleu. Ah, mais c'est vexant qu'on puisse pas l'ouvrir cette porte. Il n'y a aucune interaction avec. Hein. D'accord, ça c'est le portail par où on est arrivé. Non mais est-ce qu'il n'y a pas un truc spécial à faire avec ça? Et là il y a une sorte de salle étrange. Moi je veux pas abandonner cette porte aussi facilement. Elle me dérange. Ah. Non bon bref, je pense que je comparte. Hein. Ouais. Okay. Alors. Ouais, ok, où est-ce que tu as vu la difficulté, toi? Ah, là-haut. Est-ce qu'on l'augmente ou pas? Une expérience difficile mais équilibrée et juste. Les ennemis sont très croyables, vous devrez utiliser tout votre arsenal pour les vaincre. Oh, on peut laisser en normal et voir si ça se dit. Allez. C'est un peu dur, je sais pas. Hein. Chapitre 2, enfin. Mais on y était pas déjà? Non. Là, c'était un peu la torture. Des cages, ça fait pas de doute, on est dans un donjon. Là, c'était le passage vendeur. Ah, mais c'est peut-être pour ça que la porte marchait pas ici. Arrachons l'artefact. Moi, je pensais qu'on était déjà dans le chapitre 2. Là, tu commences à m'intéresser. Alors... porte juste en face. Je pensais pour moi ce truc-là. À mon avis, c'est pour plus tard. Je me dirais bien. Attends. Ah! Viens voir. C'est le mystificateur, je pense. Viens. Ça doit être le mystificateur, normalement. Attends, parce qu'il y a juste un truc de lave ici. Ah. Ouais, là je pense que tu lances la suite, faut d'abord rentrer dans le... Bon, mais allez. On va juste les revenir avant. Ils explosent. Ah, ça va être chiant pour moi, ça. Mystificateur. Alors... Ah, y'a des ennemis. Mission faisceau. Oh, énorme. Remplir un peu. Ah, d'accord.
Ok, bon, tu changes pour toi. Je te laisse gérer. Ça, ça a l'air assez puissant. Il y a des ennemis, mais tu vois, ça a pas l'air bien grand, il y a juste un autre pas. Ça en effet l'air. Ah, il y a des pièces du passeur dessus. J'arrive. Moi j'ai préféré les munitions métriques. Autre coffre, une pièce du passeur, là où je suis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas que ça fait du bruit. Là je suis le pont, là il y a une pièce. Ah! Faut que je remonte depuis là-bas? Attends, ah bah non, je peux le faire par là. Ah, il y a un coffre là. Et ici aussi une pièce. Oh! Attends, baiser. Je pense que tu es des ennemis. Ok. Alors, tu m'as dit par là il y a une pièce. Ouais, niveau pont. Ouais, je la vois. Et je crois qu'on est bon. Hein. Oh, attends, je vais juste voir si j'ai pas oublié une pièce par là. Ben. Ouais, non, ça m'a l'air ok. Bon, c'était pas mal. Et bah, go. Allons-y. Ben, c'est super agréable ce truc là, voilà. Ouais, c'est. Et où c'est bien. Je fouille un peu. Quelque chose là-haut là. Mais je crois que c'est pas après. Ah, ouais, je pense que c'est quand on aura. Il y a une clé mystificateur là-haut. Ah, mais je pense que en fait on va sûrement débloquer un truc spécial là parce que sinon je vois pas. Hein. Parce que attends, avec mes trucs à moi ça peut pas. Bah, ouais, tu vois, moi je. Alors, juste ce temps-là tu peux couiller et presque arriver en haut. Ah! Putain, j'y étais presque. Ouais, non, je pense que c'est verrouillé. Ouais. En fait, le truc, c'est comme il y a un mécanisme juste devant. Attends, on peut casser ce truc-là. Hop, on va ça. Oh. On repassera au pire. Là, j'ai. Ça. Il y a des questions, je comprends pas comment ça marche. Alors. Sur la caméra, tu vois. Oui, mais je pense que c'est la même blague. Hein. À mon avis, on doit débloquer un pouvoir en plus. Hein. J'espère que c'est pas une couille comme quoi c'est le pouvoir qu'il y avait dans la chambre du mystificateur du premier niveau. Je serais vexé. Non, je pense pas. Non, je Ah oui, c'est vrai. Je suis pas là pour m'amuser. Ça serait bien qu'il y ait d'autres ennemis parce que là. Ah, tu me diras, j'ai ça à la limite pour eux. Ah, ça fait bon, mais regarde, je suis pas beaucoup. Je comprends rien ce que tu fais. Quoi? Oui. Stop. Tu vois ça, mais. La voiture, la clé. Pas du tout. Ah! Alors, ça doit être jouable en partant d'ici, je pense. Eh bah, je l'ai raté, moi, comme ça. Ouais, il y avait un crochet. Ah, il y avait un crochet sur le chemin. Apparemment, quelqu'un. Attends, bah, je vais venir dans le but. Ah, c'est là. Quelle importance. Votre but est l'artefact, pas l'acquisition d'âme. Vulgrim a un penchant capable pour les âmes. Et si je la prends. Toi, t'en es où? Elle est encore là? Ouais, elle est encore là. Ouais. Mais ça te compte quand même que pour un, je pense. Je l'ai pris. Ah. Donc, quand même que pour un. C'est juste. Et c'est tout, y a pas plus. C'est déjà pas mal. Ok. C'est toi qui fais de l'électricité là comme ça? Ouais, mais c'est pas géant. Mais les gars, c'est pas fou. D'or à ramasser là. Ah, pareil. Attends, je mets juste mes compétences en place parce que ça me plaît pas trop. Hop.
charger électricité. Ah, là, faut lancer. Sur la. Aïe. Ah, c'est là-dessus que tu les as lancés. Okay. Ah, c'est pour ça. Tu veux pas. Hein ? C'est sérieux là. Ah. Ah, oui, ça je sais. Tu veux lancer où là, le machin ? Hein ? Tu veux lancer. Non, mais c'était sur le cœur de l'âme, mais t'as réussi à le défoncer. Toi. Non, mais par là, y'a rien d'autre ? Y'a pas une couille ? Mais il y a une sorte de poche avec des âmes, mais. Ouais, non, je regardais dans le bout en sautant s'il y avait pas un truc caché derrière, mais. Figure-toi que non, donc je suis mort comme une merde. Entendu. Ah, un dialogue. Ah bah bravo, il avait rien demandé. Dis-moi, si Lucifer est aussi dangereux que le Dilton. Oh putain, c'est classe. Pourquoi ils n'ont envoyé que nous deux ? C'est pas faux. Les Furies ont d'autres affaires à régler. Il ne nous appartient pas de contester la volonté du Conseil. Il ne m'appartient pas de contester ta garde-robe ? Mais je trouve que ton armure aurait besoin d'autres visages. D'accord. Flics. Pourquoi faut-il que tout soit sujet à plaisanterie avec toi ? On a l'air de bien s'entendre. Ouais. Le conseil ceci, le conseil cela. Tu veux entendre une plaisanterie ? Ah putain, je me prépare pour la blague de merde. T'es censé répondre, qui est là ? Pourquoi révélerais-je ma position ? Je verrai simplement la porte et j'affronterai mon agresseur. Oh, t'es désespérant. Très bien. Je trouve ça bien dosé, moi, ça m'amuse. C'est. Non, je trouve ça pas mal. Regarde, sous la grille, tu crois que c'est l'artefact de Vulgrim ? Ces glyphes indiquent une sorte de mécanisme de verrouillage. Il semblerait que notre mission sera plus difficile que nous le pensions. À mon avis, il va falloir aller tout fouiller. Facile, toi. Ah. Oh. J'ai une carte. Aïe. Là, si on fait M, on a la carte. Super. Maintenant, on va pouvoir voir ce qu'on a oublié ou pas. Ah, de la lave. Oh, il est. Il semblerait qu'on ait oublié un coffre dans notre salle au trésor. Merde. Ah, de toute façon, on va sûrement retourner au début quand on aura débloqué un pouvoir de plus. C'est quoi ce truc? Essaye de le faire péter avec ta bombe là. Non. Ça passe à travers. C'est plus tard. Ah, attends. Je peux faire quelque chose. Ah. Oh putain. Encore dans la lave ? Oui. Comment tu la lances ta truc ? Là, tu cliques. Ouais. Oula. Mais t'as fini oui. Ah, il y a des barres à grimper là. Ah ouais. Mais du coup, c'est d'accord, ça peut casser ce machin. Alors attends. Parce que là, on peut pas monter dessus. Ah attends, j'ai une idée déjà. Alors. Voilà. Déjà, j'ai fait ça. Tout ça nous a avancé avec quelque chose. Est-ce que tu peux activer les bombes avec le feu ? Ouais, ça. Ah, attends, regarde. Elle est détruisible maintenant. Oui, est-ce que tu peux activer les bombes avec tout le monde ? On va tester. Ah, bah oui, attends, comme ça. Ça va, il y a activé celle-là, là-haut. Il y a une bombe à activer ? Okay. Là, il y a trois là. Ah, j'arrive. Donc, ça. Ah. Le bras 0 tu vises. Survie. On va tester. Ok, mais pas celle-là du coup. Ouais, mais. C'est pas aussi facile que s'en aller. Ah, attends! Déjà, je vais faire ça. Okay. Donc, ça. 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 Je vais pas réussir à activer les bombes, mais au moins j'active les bras 0. Et on a coupé. Ah, là, il se fait. C'est bon. Oh. Alors, oh, maintenant, on aille là-dessus, je pense. Parce que du coup, on n'a pas résolu l'énigme là-bas. Ah, putain. J'étais en plein saut. Ah, on peut y retourner encore. Parce qu'ici... Ça a ouvert ou pas? Non, il y a toujours les pics. Ah, il reste un bras zéro.
Ah, j'arrive. Alors. Ok. Ok. Ce qui m'énerve, c'est ses pics. Après, je pense que c'est ses pics. Attends, okay. Regardons si on n'a pas oublié quelque chose dans la salle. On n'a pas l'air. J'ai peut-être raté un son. Bravo. Ok. Non, c'est mal l'air bon. Ça a l'air bon, ouais. On reviendra. Oh, attends, je regarde. Ok. Non, c'est bon, ok. Je pense qu'on a la suite. La glyphe du haut, du coup. Alors. C'est celui-là que t'as raté? Non. Ah merde. Ah non, moi. Moi, c'était la lave, tout bêtement. Ah, attends. Putain, mais c'est difficile, hein. Ouais, le 3D. Ouais, le. Bon. Alors, ça doit être comme ça. C'est bon. What? Ah, des pics. Lol. J'aime pas. Ah, qui s'ouvre et qui se ferme, c'est ça? Ouais, apparemment, ouais. Ouais, je les vois. J'ai même pas fait gaffe. Bah, je les entendais, moi. Ouais, j'entendais, mais je me dis, je sais pas où ils étaient. J'aime bien cette petite phase. Hein. Le puzzle ouais. Game, ouais, c'est vraiment un des trucs qui faisait le charme de Darksiders. Ok, il a rebondi, moi. Après, dans Darksiders, enfin, moi, ce dont je me souviens, c'était vraiment un enfer leur phase de puzzle. Là, c'est pas des. Enfin, c'est moins des aliens. Après, il y en a qui aimaient bien les puzzles de fou, mais. Enfin, t'avais l'impression d'être dans le temple de l'autre Zelda, quoi, des fois. Hein. Si tu devais faire des énigmes sur trois salles différentes. Mais c'est pas là que je t'ai lâché, putain! Qu'est-ce que t'as fait? Je change de bord, je me lâche, et là il tombe de côté square. Alors... Ah les fils de pute! En toute amitié. Salut! Ouais, moi ils ont popé en plein milieu d'un de mes sauts. Alors attends. Est-ce qu'on doit pas amener un truc qui explose ici? Parce que tu as vu des trucs qui explosent déjà. Ouais, est-ce qu'on peut pas les amener d'une autre salle? Tu peux les attraper avec ton grappin. T'en as? Ouais. Ah ok. J'arrive. Ah, nice. Ok. Tu penses qu'on va jusqu'à là-bas? Ça fait loin. À mon avis, non, on fait le tour. Ah, c'est bon. Ouais? Moi, j'aurais fait le tour comme toute une personne normalement constituée, mais. Par contre, le gros cristal rouge, ça m'intrigue. Pareil. Ah! Ok. J'espère que tu étais en vol. Non, 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 j'ai... c'était juste en dessous de toi. Quel dommage. On pourrait me chier dessus, pour te dire. Quoi? Alors. Ah, tu es allé en vol? Ouais. Ça marche? Il y a un truc spécial pour. Ah, ok. Alors attends, je vais peut-être monter aussi haut que toi. Ah, j'ai oublié. Au revoir! où suis-je? Ah oui, il faut que je monte. Ah, putain! La 3D, c'est... C'est dur, hein. Ouais. Ok. Ah, et en fait, t'as un crochet. C'est bon, j'arrive. Ok. Pas de problème. Nice, c'est une chose qui s'est passée. Ah, on a éliminé 5 chauves-souris. Ah! Y a un truc pétable maintenant. J'ai l'impression que c'était la dernière phase. C'est pas si facile que ça. T'es pas content de m'avoir écouté? Ah putain! Quand il fait ça, j'ai horreur. Ah. Ah, j'ai raté. Allez, dis-le! Il s'est pas accroché quoi. Frère, t'avais raison. Il survient de temps en temps. Un moment où tes propos ne sont pas complètement vides de sens. Ah. C'est censé être un compliment. Hop là.
J'ai pas fait exprès. Je pensais que c'était pour attraper quelqu'un et finir. Ah, faudra qu'on retourne en arrière. Ouf. Aïe 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 aïe. Voilà. Ouais. Aïe. Ils arrêtent jamais de pop. C'est vexant. Ok. Ah, il y a une pièce. J'ai plus de bol derrière. Alors. Oh putain, je suis encore en vie. Ah, je suis Kevlo. Attends, je vais essayer de revenir en arrière. Ah non, mais. Au revoir. Au revoir. Utiliser une potion. Je pense qu'on doit retourner en arrière là. Non, c'est bon, on peut l'activer direct. Ah, on peut l'activer direct ? Bon, bah, let's go. Ah ! Bonjour. Je crois qu'on a trouvé notre cible. Pourquoi je range mon épée quand il y a l'ennemi qui apparaît, moi ? Essaye de le faire passer par les zones laissées au sol. Genre, c'est une strat. Ah, tu penses qu'on peut choper ? Bah, peut-être. À part, là, il était de là, à part ça. Ah, peut-être que c'est lui fait des dégâts, je sais pas. Ah, tiens, là, il faisait pas grand chose, tu vois. Il y a un moment vraiment très tranquille. J'essaie de lui lancer des machins à la gueule, moi. Putain. Hop là. Ah, c'est pas ça, monsieur. Oh, tu pourrais cliquer plus de munitions, hein. Je suis déjà sec tout à l'heure. Ils sont partout. Avec les esquives, je m'en sors bien. Hey buddy, back in time. Ça se passe bien. Oula, c'était inattendu. Ouais, faut ramasser les âmes de monstres. Parce que ça améliore quelque chose. Oui, oui, ça améliore. Enfin, quand on allait dans le shop, c'était cool. Il est beaucoup moins troublant. Ok. Ah, et ça. Il y a une âme de démon. Hein démon. Oui, oui, oui. Exécuter une traînée de lave. Oh. Tu sais pourtant. Comment l'équipe ton humour me laisse froid. Bah, je sais pas, c'est ouais, pas d'office. Toute forme d'humour te laisse froid. Bah, je fais pas de feu. Mais parce que tu fais pas d'exécution. Ah, c'est qu'on exécute. Ouais, ouais. Ah, attends, bah, j'arrête à moi alors. Allez, tu vois, ça, à mon avis, il y a moyen que ça nous aide à résoudre l'ennemi du début. Attends, attends, attends. Regarde sur tes cartes, il y a une clé qu'on a oubliée là-bas. Ah oui, c'est au début non la clé. Ah non, attends, c'est là-haut. Il y en a une aussi là. J'aime bien ce côté. Oh cool, ils ont été sympas, ils m'ont remis là-dessus. Alors à mon avis, faut monter là. Oh putain. Alors, il y a une un peu plus clair. On tarde. Ok. J'adore. Bah c'est la... Oui, c'est le cristal... Ah, c'est le cristal, tu penses? Ah. C'est vexant. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire avec le cristal? T'as essayé de lui mettre une explosion, ouais, ça fait rien? Non. Bon, je vais essayer de voir, moi, si j'ai pas un truc que je peux lancer dessus. Non. Okay, attends, je vais essayer de changer mon pouvoir pour voir. Essaye de mettre toi ton autre pouvoir là. J'en ai qu'un moi le pouvoir.
T'as pas su où tu charges là? Je charge. Je sais pas, tu trouvais des rayons d'énergie sur les gens. Ah. Non. Non. Bon, prenons le truc au milieu, peut-être que ça va être ça. Hein. Bah si je lance trop sur la gueule, ça fait rien. Hein? Non mais oui non mais prenons le truc au milieu, prenons le l'objet là, l'artefact. Ah, l'objet. Oh le con, faut aller voler. Hop. Ça marche pas non? Non. Oh si. Ouais, ça semblait. Ouais? Bugué. Ah! Ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Comment t'es revenu du coup là? Bah tu escalades et tu fais le. Ah le grand jump. Ouais. Hop. Et... Ok. Je me demande pourquoi ce machin est si précieux pour cette boule dévoreuse d'âme. L'artefact en échange d'informations. Nous honorerons notre accord. Sérieux? Il devrait carrément nous prendre par la main et nous mener jusqu'à Lucifer. Alors retournons parler à Vulgrim. Dans son intérêt, je lui souhaite que sa générosité se soit grandement améliorée. Ok. Bah nous transporte pas alors. Tout de suite. On récupère le petit coffre qui nous reste. Bah qu'on essaie de voir s'il n'y a pas une énigme qu'on a ratée. Parce que du coup, comme tu dis, le début on n'a pas réussi à l'ouvrir. Ah. Ah oui, il y avait le... Ouais. Alors... Ah. Bon, c'était un truc, mais pas concluant. Après, c'est peut-être le contenu endgame, hein, en soi. Mais... Bah écoute, ça se passera à revenir en arrière à chaque fois. Ouais, peut-être. Il a tout refait. Oui, mais ce serait pas si surprenant. Ah, tu m'as dit qu'on a raté quelque chose ici, donc il y a la clé là-haut. Il y a un fragment de guerre du coup. Il y a un coffre comme tu dis. À l'intérieur de... C'est vrai, il y a bien la couleur, il y a bien la tienne. On évite pas de l'escalade, hein. Ça m'étonnerait pas. Un petit mur invisible là. Essaye de le faire de son côté, le changement de partenaire. Ah bah le chimie marche, ne marche pas. Non je pense pas. Ah, vas-y, essaie de le faire quand je le fais pas alors. Attends. On configure une touche. Regarde c'est où. Change de personnage. Ah attends, si, regarde, il y a un truc devant qui s'allume. Non, c'est la web. Ah ouais. Voir, retente-le pour que ça s'allume comme ça. Non, remets-toi là où t'étais. C'est les runes. Ouais. Ah, ça aurait pu, hein. C'est bon. Non, on va sûrement plus tard alors, parce que là je le vois pas. Hein. Récupérons ce petit coffre oublié. Ouais. Apparemment, il est juste à l'entrée. Non mais il est en haut. Je pense. Ah. Non, ou alors juste en dessous. Ah, j'ai eu un votre allié hors de portée. Bon, pour se barrer, je pense. Ah oui, peut-être. Ça c'est pas un coffre. Je crois que le jeu se fout de notre gueule, parce que c'est celui-là qui n'est pas été compté, hein. Coffre d'objet. Ah mais regarde. Tari. Là. Tu vois ce coffre là, il est pas indiqué sur la carte, pourtant on l'a ouvert je crois. Bizarre. Ouais non bon bah pas grave.
Alors après, ça dit qu'on a oublié une pièce sur le chemin aussi. Quoi? Genre juste avant le carré central. Une conversation? Non. Non, juste à côté de la conversation, moi j'ai un truc qu'on n'a pas pris. J'ai une santé. Ouais. Effectivement. On peut aller voir. Si ça part sur verrouillé, j'espère pas. En surprise. Prions que non. Ouais, mais je pense que ça va être ouais, le principe, c'est qu'en fait tu dois revenir plus tard à des endroits. Ouais, pourquoi pas. Ah. J'avais rien dit. Ça arrête pas de spammer, votre allié est hors de portée. Sérieux? Ouais. Je dois être ici. C'est quoi ici? C'est pas ici la gemme de santé à peu près? Ah non, c'est beaucoup plus loin. Bah non. Si, ah non, pardon, ah je pensais qu'on avait le portail d'invocation ici. Alors ça doit être là. Ah oui, c'est ça. Et voilà. Comment ça j'ai ramassé? Non, c'est pas ça, j'ai la gemme alors. Ah! Bah, il y avait moi, il y avait ça déjà, que j'avais pas. D'accord, ça tu l'oublies, ouais. Non, et sur le côté bas du coup. Ouais, je le vois, ouais. Et bah, on va aller voir. Hop là. Alors, vrai, ça se trouve, c'est juste qu'on est nul en énigme. Hein. Possible. Y'a rien de. J'avoue que c'est vexant. Oh putain. Ils font tel. Aïe. T'es mort? Ouais. J'arrive, on va voir ce que comment ça fait. Il me pète le cul, c'est salaud. Aïe. Ok, je t'ai raid. Ah, je suis tombé dans le lave. Ouais, les gros démons là, putain, ils font tellement mal. Ok, alors. Ah, c'est ceux qui sont bloqués par ces pics là, je pense. Ah oui, mais comment on ouvre ça? Alors, attends, il y a ces rouages là aussi sur les côtés. Des rouages? Ouais, attends. Est-ce qu'il n'y a pas une couille ou quoi je peux les toucher avec ça? Non. Ça, c'est pas un petit bouton quelque chose. Ça n'a pas l'air. Tu as déjà l'étincelle d'éther et du néant dans ton équipement? Je pense pas. Parce que moi je les vois quand je passe ma souris dessus. Tu vois ça où? T'as une touche équipement normalement. Ouais. Et moi, dedans, t'as quoi? Je suis que des munitions, faisceau, tiers chargé. C'est pas la même chose. Ah, alors, dans ce cas-là, j'ai crochet spectral et c'est tout. T'as que crochet spectral? Oui, moi je vois quand les séismes et la lame opale pour toi. Ah, ok, d'accord, tu vois ce que j'ai pas encore évoqué. Ok, d'accord. Et donc, t'es censé avoir la bombe d'union, l'étincelle des terres. Ouais, c'est cohérent qu'il faut y revenir plus tard avec ce truc-là, je pense. Je pense. Allez, retour dans le néant. Quelle heure est-il? Minuit 30. Allez, du coup, est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a en dessous là, maintenant? On a des clés? De quoi? Oh, attends, mais ça a changé. Non. Pas le même endroit? Bon, c'est pas que c'est bouvé. Tu peux faire un garage comme ça là? Oh, attends, y'a un truc à récupérer ici. Bah, si, t'as ta machin allumé là. Y'a une torche en dessous. Alors, ouais, à mon avis, faut que je me place juste ici. Et tu fais ça rebond, ouais. Alors, oui. Ah, mais je peux pas lui demander de faire un rebond, je pense. Et si tu l'enflammes et tu vises le mur derrière toi? Je crois pas que ça marche, je vais tester. Mais... Non, tu vois. Hmm. Et si tu fais lancer manuel à la con, en biais. D'accord. Ok, vexant. Je reviens. Alors ça, à mon avis, c'est faisable. Mais il faut que je comprenne comment. Ok, c'est chiant. Alors... Ah, attends. Peut-être que... Et je sais pas quand je tombe en fait.
Parce que tout à l'heure, j'ai réussi à sectionner un endroit là-bas, mais là, je n'y arrive plus. Ce moment est fioup. Disparu. Attends, je pense que c'est comme ça que je dois aller. Quoi je... Ah, voilà. Parce que j'aime bien si j'essaye plutôt comme ça. Des fois, il rebondit, il rebondit pas ton machin. Alors. Ok, alors je vais essayer en effet en visant pas à la zub. Ouais, je me dis. Hein. C'est faisable. Ouais. Ah. Oh putain. On veut bien s'amuser. Attends, faut qu'il s'enflamme en plus. Ah oui, c'est bon, tu peux. Nice. Ça n'a pas du tout marché. Non, ça va marcher sur le truc bleu. Mais... C'est bon. Ok. Oui. Oui. Ah non. Ah non, bah non. Attends. Eh, mais on a un problème. Quoi? Faut que je le fasse en vol. Ah, salut. Ouais. Ah. Et bah, let's go. Je vais essayer, hein. Bon, ça en vol, j'ai pas vu le. Garde. Ah, oh, c'était un timer. Dans ce cas, faut que tu passes juste après moi. Genre, faut pas qu'on le fasse en même temps, je pense. Attends, mais c'est trop chaud. Ok, super. Les ailes qui sont désactivées sans aucun... sans mon accord. Ah. Oh. Mais... mes ailes se désactivent sans aucune raison. Oui, elles restent pas, là, pas très longtemps. Ah ouais, mais on fait quoi? Bah faut que tu time ton jump en distance. Ah. Je vois. Ça a marché! Je suis. Pas moi! Y'a quoi? Y'a un machin à... Attends, si j'ai fait ça. Y'a un truc qu'il faut que je ramasse, c'est ça? Ah, y'a un. Ça m'a TP. Ah, ça t'a TP? Je crois que c'est au grand portail pour venir. Là, c'est en plus. Là, c'est fermé, là. Bah oui, je pense. Alors, reviens en arrière. Et tu devras avoir un portail violet qui s'est ouvert. Alors. Ok, je retourne genre au début, c'est ça? Ouais, regarde là. Là. Bah non, je l'ai pas. T'as pas un truc là? Non. Merde. Donc faut que je le refasse. Ouais. Faut que j'arrive à passer dans la foulée. Oh la vache. Et bah allez, hein. Non mais c'est faisable, j'étais pas loin tout à l'heure. Mais j'ai chié à cause de la 3D. Ah, de toute façon j'ai pas les thèmes pour la suite. Mais c'est bon. Quand tu passes une porte, il y a écrit tous les jours d'avoir bon de lumière pour Ah non! J'y étais. De toute façon, là, j'ai pas item. Ah, mais il y a une pièce. Ah oui, il y a une pièce, ouais. Moi, je suis pas tout ouvert la porte. Non, mais c'est bon, j'y arrive, c'est maîtrisé. Pas deux fois. Il semblerait que si. Pas comme ça, Zinedine. Le petit mur à chaque fois. Je te hais, petit mur. Je te hais 3D en fait, hein, tout courant. C'est ça, la petite 3D bien sympa qui te fout dans le mur. Ah non! Mais. Attends, c'est pas comme ça qu'on vise? Ça a changé? Ah putain, j'ai essayé de dash en l'air. Quel plaisir. Ah oui, parce que oui, ok, je vois. Je vais y arriver. Et j'ai fait la même. Hop. Ah non, c'est... Je vais ce jeu. Enfin, la 3D commence à me les briser un peu sévère, quoi. Ah bah, ok. Ça me fatiguait, cette 3D. Non.
Et la 3D encore. Parce que apparemment j'ai ouvert mes ailes juste à côté du truc qui fait voler, pas sur le truc qui fait voler. Ah putain la galère. Ouais, ça me casse un peu les burnes. Et normalement ça marche. Attends. Plus ça voilà. Que possible. Quel enfer. Et là ça dit qu'il faut une... Un talent que je n'ai pas. Ah ça te le dit carrément. Moi c'est écrit. Faire débloquer ah oui, bombe d'une heure. Je ne l'ai pas. Alors. Bon, on a le début qui fait. Ouais. Tout va bien. Comment on rentre? Ouf, coup la porte, toujours pas, j'imagine. Donc on a ça. Ok, on monte. On avait parlé à Vulgrim. Ouais. Le passer. Attends, je vais aller voir la porte. Ah, regarde. Ah, j'ai compris la porte. Faut qu'on ouvre toutes les portes. Oh putain, ouais, d'accord. Oh, le méga okay. Battle. Alors, on le prend en temps voulu. Ouais. Vous avez réussi. Oui, oui. Bien excité à propos d'un caillou brillant, Vulgrim. Chacun ses petites manies. Un caillou brillant, vraiment? Regarde de plus près. C'est une âme. Ah, ça a l'air. Hein. Oui. Oh putain. Ah, enfin un peu de place pour nous. Ne me parle pas, s'il te plaît. Oh, tu me mets mal à l'aise. Oh, Vulgrim, tu es vivant. Ah, manifestement, notre arrangement tient toujours. La pierre est une prison? C'est comme ça que tu traites tous tes partenaires d'affaires? Je m'en souviendrai. Tout ça est sans importance. Nous devons trouver Lucifer. Que sais-tu, Vulgrim? Lucifer? Qu'est-ce que vous voulez à ce charmant personnage? Toute chose est liée, cavalier. Dis a été capturé alors qu'elle cherchait un objet de la plus haute importance pour Lucifer. Elle a une dette envers okay. Moi. Ouais, c'est une façon. Dis, ça sent l'arnaque. Ouais. Quel est cet objet que cherche Lucifer? Il s'appelle le cœur d'Ignescence. Il contient la puissance d'un d'accord. Millier de soleil. De quoi mettre un manquable. Un millier de soleil? Juste 5. Avec ça, on pourrait faire fonctionner un micro. Je pense un bon micro. Oui. Sacré micro. Sacré micro. Le l'imposteur mérite qu'on s'y intéresse. Et bah, le cœur d'Ignescence est conservé dans une forge démoniaque. Une forge démoniaque, mais c'est une forge normale. Tu peux rajouter démoniaque si tu veux. Cavalier, ne doit épargne-nous ta flagrante. Faire mon mec mad. Ce qui est mort, c'est qu'à la base, on obéit à un grand conseil suprême. Sous les meilleurs auspices. Et on s'envoyait à des missions pour les démons, beaucoup de gens. Ouais, mais c'est pas. Je vois ce que tu veux dire. Hein. Alors attends, il y a 10 qui doit être quelque part, non? Ah, mais du coup, c'est où aller. Tuez-en autant que vous pouvez. Il y a une autre chambre là-bas. Cela profite à chacun. C'est un truc d'amélioration. Bienvenue, bienvenue. À valeur équivalente, si nous faisions affaire. Toute attaque avec dévoreur de chaos et des chances de lancer un éclair. Ça, je pense que c'est un truc à toi, ça. De quoi? Dévoreur de tonnerre? Chaos. Ouais, tonnerre, ouais. Où ça? Ah oui, tonnerre, je vais. Ah, mais dévoreur de chaos, c'est mon cheval. Faites attention à vous. Ah. Ok, donc là, si on donne de côté. Encore quelques armes. Ici, il y avait une chambre, je pense qu'elle doit être là. Délicieuse. Ouais, elle est là, ouais. Si alors. Veux, oh, c'est des combos. Discord. Oh, nice. Nice. Un combo, gros comment tu lui parles? Avec F. Elle est là? Ouais. Papa chez vous, moi. Les garçons, je n'ai que le t'as rien? Ah, elle vient d'apparaître, c'est bon. Ouais, je vais me décaler. Alors. Ne te précipite pas. Ouais, du coup, je vais prendre des combos pour guerre. Hein. Plus de munitions. Synergie par deux tirs. Discord, j'ai des ombres, tirs, en tout. D'accord. J'ai envie de tout acheter. Une ruée vers le. Ah, voilà. Une ruée vers le sol. Ça, on va le prendre. Je veux même pas savoir comment vous avez eu ça. Contre-esquive. Bon, d'accord. Peut-être. Esquive une attaque précisément au bon moment pour gérer un clone de Discord qui tire. Oh, c'est fort. C'est super fort. M6 circulaire, moi j'ai. Quoi? Hey, alors, juge de synergie. Vous okay. Savez à quel point c'est compliqué de récupérer ces trucs en douce sous le nez de Vulgrim? Ouais, je vais quasiment tout prendre. Hein.
Je pense que je vais faire pareil. En fait, ce qui est bien, c'est que comme on joue qu'un seul perso, on n'a pas trop à se prendre la tête sur ce qu'on achète. Quoi ? Une jeune fille devrait pouvoir rêver un peu, non ? Par contre, Alors, est-ce que je peux vraiment tout prendre ? Les pièces du passeur sont plutôt rares. Ah, ça va être limite, hein. Non, je peux pas tout prendre. Je suis toujours partante pour faire des affaires. Trois esquives. Tout a un prix. Pistolet en plus de munitions. Cherche quelque chose de spécial. C'est shift en l'air. Je suis toujours partante pour faire des affaires. Ah oui, après un contre parfaitement exécuté, j'ai le droit à une contre-attaque. Ah, moi j'ai un clone qui tire. De toute façon, moi je vais pas contrer, donc je m'en bats les couilles. Et plus de balles. Je dis oui. Les pièces du passeur sont plutôt rares. Alors, testons des trucs. Est-ce que vous les avez trouvés ? Oh ! Bon, okay, ça. Attends, j'ai ça. Oh, quand ça va, attends. J'ai ça. Ah putain, mais ça veut pas. En gros, je retourne au sol. Ah ! C'est ta synergie ? Il faut monter ta barre de synergie avant. Non, non, c'est pas synergie. C'est quoi ? Parce que les buts, c'est que ça fait autant une esquive arrière qu'une esquive au sol. Non, on le voit. D'ailleurs, moi, dans ma synergie, j'ai pas tout compris. Ah, moi, il me faut une barre de synergie à fond, mais là, je peux pas l'avoir, là. Ah si, si, c'est bon. Mais ça, j'ai pas acheté pouvoir. Ah, de synergie ? Ouais. Ok. Je peux voir si j'ai déjà fait des conneries. Mais c'est pas la même chose. En fait, c'est une nouvelle barre, la synergie, et ça remplace aucun de tes machins. C'est pas une barre jaune ? Non, non, c'est une... Regarde, moi j'ai une troisième barre sur une barre. J'en vois que deux. J'en vois que deux ? Enfin, en fait, j'ai deux barres, et en fait, moi maintenant, j'ai une longue barre en dessous. C'est ma barre de synergie. En gros, quand elle est à fond, je peux lancer une super attaque. D'accord. Sauf que... attends, en gros, ça me dit mes combos ou pas ? Je pense qu'il faut une cible... Ah ! Appuie sur Start est un truc qui s'appelle cœur de créature. Enfin, Start. Ah oui, cœur de créature. Ah ! C'est donc là ! Les cœurs mineurs... Putain, mais d'accord. Attaque, courroux, santé. Ok. Putain. Ok, c'était pas du tout expliqué ce machin. Ok, alors... Donc là j'ai mis un cœur, ok. Ça se fait bonus d'attaque... Ok... Donc là... ok, donc c'est la petite optimisation quoi. Ça va aller. Ah ouais, si, je me vois. C'est fort, ça. Mais est-ce que ça correspond du coup à l'emplacement ? Là, c'est un quoi ? Là, c'est un... C'est un libre au début. Là, c'est un libre, ouais. En effet. Lorsqu'une attaque affiche les gars, elle a 2%... Oh. Oh. À puissance de Kourou. Kourou, c'est le tien, non ? Hein ? Kourou, c'est ton truc, non ? Kourou, c'est notre barre de magie. En gros, c'est juste nos magies, c'est pas quelqu'un. D'accord, c'est pas logique, d'accord. Pourquoi ? Parce que c'est écrit en fonction de puissance de Kourou. Oui, mais parce que regarde, quand tu regardes en haut à droite, t'as de la puissance. Et donc, en gros, la puissance du Kourou, c'est la puissance de tes attaques spéciales. Et aussi des cœurs très ciblés. Hein. Genre juste pour toi ou. Ouais, les cœurs ils sont ciblés, ça par contre. Enfin, attends. Si je vais à droite. Ah oui, réduit les dégâts de guerre à guerre. C'est vraiment 5%. Ok. Augmente la vitesse de remplissage. Oh, vas-y, la joueuse d'expérience. Kourou, je pense que c'est ton machin à toi, mais. Et donc, non, Kourou, c'est à nous, je pense. Hein. J'ai pas l'impression. Bah, toi en bas à droite, t'as pas attaque, Kourou, santé ? Ah, si, Kourou, ouais. Bah, voilà. Bah, je comprends rien. Bah, oui, je le vois ton Kourou aussi. Ah, et quand j'en mets, ça augmente tes stats aussi. Mais parce qu'en fait, je pense qu'on en a à la base, c'est le jeu de gérer les deux persos à la fois.
Ah, et non, en fait, je pense que, genre, quand je prends ton perso, c'est mon perso. C'est-à-dire que là, si je récupère ton... Ouais, j'aurais pas tes techniques à toi, j'aurais mes techniques à moi. Ok. Ok, bah, là, j'ai pu foutre un truc majeur. Alors... Hop. Bah, j'ai pu deux trucs majeurs. Ah oui, on a de la place, en fait. Je suis parti à droite. Dans l'arbre, je suis parti à droite et... Ah. Ouais, mais de toute façon, les arbres sont pareils. Genre, moi, je vais partir à gauche et c'est pareil. Oui, c'est pareil. Les symboles changent. Oui, oui, mais globalement, ouais. Et de toute façon, je vais partir aussi à droite. Bon, du coup, oui, je l'ai pas harmonisé. Parce que j'ai mis un épée dedans. Dans ce cas-là. Ok, alors... Ok. Ah, et là, je fais de la lave. Très bien. C'est vachement intéressant comme système. Ouais, c'est pas mal. Alors, mis à part ça, dans la collection, t'as des trucs aussi. Collection ? Genre, tu peux aller changer ton skin. Bon, on n'en a pas, mais on en avait, on pourrait changer notre skin. Hop là, d'accord. Ah, y a bien 4 personnages. Pourquoi ? Quand tu vas sur personnage 1, c'est skin ? Non, ah, c'est des skins, ouais. C'est des skins, ok. Non, il y en a que 2, en fait. Y'a que 2 personnages. Tristesse. Ah, attends, je vais mettre afficher les skins. Mais non, okay, c'est... ça sert à rien. Ouais. Ah, okay. Afficher la liste de mouvements, donc c'est ici. Super. Ah. Ok, bah c'est pas mal. C'est vachement complet. Okay. Je vais couper la vidéo ici parce qu'on est déjà 1h12. Ah oui. Ce qui est beaucoup trop et plutôt pour ce qu'on fait là. C'est important, ok. Ouais, de toute façon, on découvre tout. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. À pour plus. Le prochain chapitre.